Et pendant que Jessie termine l'espace bureau en posant les étagères sur mesure choisies par Salma, la blogueuse, elle, s'attaque à l'espace salon. Deux laits de papier peint vont venir habiller le mur pour estomper la présence de la télé. Tu veux que je t'aide? Oui, je veux bien qu'on fasse à deux. Allez, c'est parti. Je viens de découper deux laits de papier peint de 2,50 m. Ok. Tu sais à peu près où est-ce que tu veux les mettre? Je pense que je vais le centrer pour qu'on puisse mettre la télé au milieu, là, sur le meuble. Ok, je monte et ouais. Tu me dis à peu près où est-ce que tu veux que je me mette. Ensuite, Jessie repère tout simplement la zone à encoller grâce à quelques bandes de scotch. Et comme une bonne astuce n'arrive jamais seule... C'est génial, cette colle rose. Quand tu la poses sur le mur, elle est bien rose. Comme ça, tu vois où est-ce que tu as mis de la colle. Et après, en séchant, on la voit plus. Tiens, regarde, je te donne ça, on fait un échange. Tu me donnes le papier peint. Ouais. Donc on pose directement, on n'a pas besoin de laisser sécher. Pas besoin. Jessie part maintenant à la chasse aux bulles d'air pour que le papier peint adhère parfaitement au mur. Cette étape porte le doux nom de marouflage. Bon, bah c'est parfait. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup.